Une fois votre inscription faite dans Conéo, vous arrivez sur la page statistiques. Ce que nous allons faire, ça va être de mettre en place les paramétrages. Et pour cela, vous allez tout simplement aller dans la partie produits, c'est-à-dire le troisième icône. Là, vous avez les ventes, ensuite vous avez contact, et puis vous avez les produits. Vous cliquez sur cette icône produits. Et vous vous retrouvez avec l'ensemble des réglages que vous pouvez voir dans cette partie. Nous allons parler pour le moment de mode de paiement. Vous cliquez sur paiement. Voyons comment mettre en place un paiement avec PayPal. Vous cliquez sur la rocanté configuration. Vous arrivez sur cette page. Il se peut que cela ne soit pas actif, c'est-à-dire que ça soit en rouge. Vous le mettez en vert en cliquant dessus. Vous laissez position 1, nom du mode de paiement PayPal. Vous laissez le logo qui se trouve ici et vous allez aller chercher l'identifiant du compte marchand. Où est-ce que vous allez trouver cet identifiant? Eh bien, tout simplement, il se trouve dans les préférences, paramètres du compte, dans votre compte PayPal. Alors, voyons où cela se situe. Je me connecte à mon compte PayPal. Nous arrivons à cette place. Vous voyez dans la partie haute préférences. Une fois que vous avez cliqué sur préférences, vous avez paramètres du compte. Vous cliquez sur paramètres du compte et vous allez voir apparaître dans la partie basse identifiant de compte marchand. Vous récupérez l'identifiant qui se trouve à cet endroit et vous allez venir tout simplement le coller dans cette case. Vous allez donner ensuite l'email marchand, c'est-à-dire l'email de votre compte PayPal, et vous allez au niveau du mode mettre en production et non pas en sandbox. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur enregistrer. Le mode de paiement PayPal a été configuré. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer un virement.